Bonjour à tous, bienvenue pour ces rituels du jeudi 4 juin. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre les exercices qu'on avait fait la semaine dernière. Ah oui, la vidéo, c'est pour les grandes sections et ce sont les rituels. Alors, donc, je disais, on avait fait des exercices la semaine dernière, jeudi dernier, on va les reprendre, parce que ça fait déjà une semaine qu'on n'a pas fait ces exercices. Donc, on y va. Le premier, c'est de la phonologie. On enlève une syllabe. Je te donne un mot, j'enlève une syllabe. À toi de me donner le mot qui reste. Si je te dis « dauphin » et que je te demande d'enlever « dos », qu'est-ce qui reste ? « Dauphin ». Je te demande d'enlever « dos ». Il reste « fin ». Le mot suivant, c'est « papillon ». Papillon, et je te demande d'enlever la syllabe pi. Papillon, j'enlève pi. Il me reste donc papillon. Hérisson. Hérisson, et j'enlève la syllabe ri. Hérisson, et j'enlève la syllabe ri. Hérisson, j'enlève la syllabe ri. Il reste hérisson. Ensuite, mouton. 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 J'enlève, je te dis pas ce que j'enlève aussi. Mouton et j'enlève la syllabe ton. Voilà. Comment ça va être tard alors hein? Mouton, donc j'enlève la syllabe ton. Mouton, j'enlève la syllabe ton. Et ça donne mou. Sanglier, et j'enlève la syllabe glier. Ah non, pardon, j'enlève la syllabe gli. Pardon. Je répète, hein. Donc, sanglier, et j'enlève la syllabe gli. Je vais t'aider. Sans, gli, et. Et ça donne sans, sans et. Sanglier, j'enlève, et ça fait sans et. Très bien, on passe à la lecture de lettres cursives. Quelle est cette lettre cursive? C'est le Q. Le Q. Celle-ci, c'est le O qui fait le son O. Celle-ci, c'est le C. Le C. Q. O. C. Oh, voilà une boucle ascendante. C'est quelle lettre? Regarde bien, il y a la petite boucle ici. C'est le B. C'est le B qui fait le son B, 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 B. Et enfin, la dernière lettre, encore une voyelle, c'est le U. Le U et qui fait le son U. Allez, pour terminer ces rituels, tu prends ton ardoise et on fait la dictée de nombres. C'est parti.
17. Écrit 17. 17. Treize. Je te rappelle que si tu ne sais pas, tu fais une petite croix, hein. Donc le premier c'était 17 et ensuite 13. Douze. Douze. Et après 12, c'est 16. Donc, je t'ai demandé le 17, le 13, le 12, le 16. Et le dernier que j'aimerais que tu écrives, c'est le 18. 18. Allez, hop, je te montre. Voici la correction. 17, un 1 et un 7. 13, 12, 16, un 1 et un 6. 18, un 1 et un 8, puisque 18, c'est 10 et 8. 18. 18. La vidéo se termine ici. Bonne journée. À plus tard. Au revoir, à demain.